Madame, comment vous avez donné la sorcellerie? Elle m'a donné le Saint-Esprit. Donc quand j'ai vu le tremble là, ça m'a donné la vie jusqu'au bout. Donc quand il touche là, non. Laissez faire tout là. Vous êtes sorcier ou n'êtes pas sorcier? Si. Ok. Comment vous avez contacté la sorcellerie? Si ça, elle m'a donné le sang. Ok. Mais à chaque moment, elle... Oh, stop. Et quand vous avez vu le sang, vous êtes devenu sorcière. Qu'est-ce que vous avez fait? La première fois, j'ai livré un de mes neveux, le sang propre. Il n'a pas de nom. Il s'appelle Sotiniel. Son vrai nom, il est encore bébé. Maintenant, après d'accord, ça. C'est celui. Tu as donné. Voilà, ça. Il a donné ça rapidement. On met ça dans les feux d'activité. Là. Non, ça, on a pu faire pâté. Hein? Pâté. Ça existe là-bas. Maintenant, le second, là, c'était mon grand frère. Vous faites pâté là-bas. Vous faites pâté. Viens de l'homme. En pâté. Les gars, donnez-nous les 4x4, on va aller faire croisade. On va attaquer la sorcellerie. Équipez-nous, donnez-nous les voitures. Il y a pâté dans la sorcellerie. Vous allez pouvoir faire déjeuner. Petit déjeuner, déjeuner à midi, dîner le soir. Ce qu'on est mort. Maintenant, après ça encore, c'est mon grand frère. Oui, après pâté là, ça a donné qui? Oui, c'est mon grand frère, le Jumeau. Moi, je suis en mon lui, le Jumeau. Oui, Jumeau, oui. Maintenant, après lui, maintenant, lui, il fréquente. Moi, il était en place de CNP, lui, il était en place de Maintenant, lui, il fréquente avec Jamie. Il a dit la Bourgogne, il sera à 5h du matin. C'est à partir de là, j'ai fait un piège pour l'attraper. En pendant qu'il partait à l'école, il a fait le piège. Comment vous avez fait le piège? C'est moi, mais il a fait le piège. Comment? Quand il partait, puis je l'attendais par derrière. Et puis il a repris. Il l'a retenu quand. Vous avez vu la sonner ça ici, non? Son âme est venue. Il partait, puis il l'appelait, puis il a regardé. Je vous ai déjà parlé de ça ici. Maintenant, son âme est venue. Quand son âme est venue, j'ai récupéré son âme de tronc en mouton. Tu as transformé en mouton? En mouton. Maintenant, la partie, j'ai mangé le tronc. Le tronc. Voilà. Maintenant, après ça encore, la nuit qui a suivi, maman s'est remariée, elle a pris un autre, là, elle a fait ma petite soeur grâce. Elle, maintenant, ils ont décidé de la prendre pour ce que ça, ils disent non, pour ça, ils ne veulent pas. Donc j'ai laissé, à partir de là, ils me donnaient des verres. Quand j'étais en train de se faire, à chaque moment, je refusais, ils me donnaient des verres sur moi, jusqu'au début de la journée. Madame, non, vous savez, je maîtrise plus ce que tu fais, plus que toi, non. Sorcier ne m'a jamais refusé d'accomplir une mission. Ça n'existe pas en matière de sorcellerie. Vous êtes fait exécuter des missions. Voilà. Donc vous ne dites pas qu'il est refusé. Vous n'avez pas cette capacité de dire non. C'est vrai, moi. Voilà. Vous n'avez pas ce pouvoir. Parce que vous êtes dominé par un esprit. Donc il ne faut pas démissionner. Il ne faut pas nous amener à dire non. Toi, tu es capable de dire non aux ordres des sorcelleries. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle les aveugles. Je suis en train de vous laisser. Or, je sais ce que vous faites. Je sais qui vous êtes. Nous sommes en train de dire aveugle. Voyez ce que tu as fait. Je suis en train de dire. On va t'aider. Tu joues quel rôle en matière de sorcellerie? En matière de sorcellerie. Tu es quel grade? Tu as quel grade? Tu l'as tué. Vous êtes combien? Moi avec ma grande mère. Vous êtes combien dans la confrérie? Non, c'est toi un envoi. Voilà. Pour faire quoi? Pour l'attraper. Non, moi je suis espion là-bas. Espion pour aller espionner le coin. Là, il vient les dire. Et puis là, ils seront les deux. Non, ça n'existe pas. Espion, non, ça n'existe pas, madame. C'est vous qui tuez? Vous tuez. Espionnage là. Vous-même là, vous êtes à 10 ans, vous voyez les gens là-bas. C'est toi qui espionne les espionner les gens. Et dans ta chambre, le monsieur André, c'est là-bas, tu le vois. C'est quel temps t'as le temps d'aller sur le terrain pour espionner. Pourquoi on ne va pas arrêter tes comédies? Toi, tu es dans la chambre, tu sais qui fait quoi là-bas, qui fait quoi là-bas. Donc, on t'envoie pour tuer les gens là-bas. Et puis, toi, t'en viens de jouer, nous, pour dire non, quand tu dis non, qu'est-ce que tu veux en réalité? Tu es venu si tu veux quoi? Ah, mais quand tu veux délivrer, il faut dire la vérité. Donc, on t'envoie pour tuer. Donc, dis-le le nom des gens que tu as tué. Le nom des gens que tu as tué. Après ma petite soeur. Non, c'est ce que toi, tu as tué. Quand on t'envoie à mission, là, tu as tué combien de personnes? C'est une confrérie, tu as tué combien? Vous mangez âme. Vous mangez. Toi, tu as tué 90 personnes là.
Hein? Tu parles à ma bouche, hein? Vraiment, pas ta tête. Peut-être tu es 90. Hein? 90 personnes. Vous la regardez, tu as quel âge? Hein? À 13 ans, tu es 90. Les pasteurs vont conduire, va t'asseoir. Vont revenir là-dessus, vont revenir là-dessus. Je vais stopper chez les appels. Vous devez revenir. Allez, d'asseoir, on va faire d'autres événements. Continuez la réunion.